Yo les gens, c'est Miniboss, et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay de Colosse. Vous avez compris le jeu de mots, Colosse, Colof. Bon ok, je sors. C'est Miniboss, comment ça va bien? Moi ça va nickel. Et déjà, avant toute chose, je voudrais m'excuser pour cette petite blague de merde. Mais bon, j'étais obligé là, je voulais vous mettre dans l'ambiance cool quoi. Bon, alors aujourd'hui les gars, on se retrouve encore sur du Black Ops 2, je sais. Mais vous inquiétez pas, je crois que la prochaine, ou peut-être la celle d'après, sera un autre Call of. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. Mais tout d'abord, je vais planter le décor vite fait. Alors, je jouais PDW, donc je vous ai proposé deux gameplays MSMC. Maintenant, un gameplay PDW, hein. Bon, on joue avec une MSMC. Bon, PDW, ça change pas trop, quoi. Hein. On reste dans un cheat. Non, je rigole. Non, mais sérieusement, voilà. Donc, PDW, je joue avec Invisible et Fantôme. En secondaire, je ne sais plus. Je sais pas. Je sais qu'en troisième, je jouais ingénieur. Bah, je vous le dirai lors de ma prochaine mort. Et les accessoires sur la PDW, c'était chargeur rapide et silencieux. Voilà, donc là, je meurs. Donc, voilà, je joue avec sang-froid aussi. Voilà. Et les killstreaks, drone, foudroiement, aéronef furtif, avec le Black Cat et la grenade normale, pas la Semtex. Donc, voilà, j'ai planté le décor. Ah oui, non, je suis en démolition sur la carte. Je sais même plus comment... Ouais, sur Slum, voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler d'un petit débat qui me tient vraiment à cœur et qui fait pas chier que moi, à mon avis. Donc, c'est les connexions. Là, j'en vois beaucoup qui disent « Ah ouais, les connexions et tout. » Bon, alors déjà, les connexions, il faut savoir que en ce moment, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais moi, les déconnexions des autres, en tout cas sur PS3, sur Xbox, apparemment, il y en a un peu moins. Mais sur PS3, sur Black Ops 2, mais il y en a une ou deux à chaque partie, hein. Mais c'est hallucinant. Et puis vous savez, ça m'arrive souvent là, comme je monte les armes en or, quand vous voulez débloquer par exemple, enfin, il faut faire par exemple quelques sanguinaires, il vous manque des kills à faire sans les accessoires, des kills à faire sans les atouts, etc., etc. Et ben vous faites déjà un truc bien, vous êtes content et tout, et hop, vous faites rage quitter les ennemis parce que vous faites tellement de sanguinaires et tout. Et du coup, là, ça fait déconnexion de je sais pas quoi et tout, ça fait bugger le jeu quoi. Et des fois, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, ça fait que toute la partie est annulée. Pas dans le mode studio, tous les défis que vous avez fait, ça compte pas. En gros, c'est comme si vous avez perdu votre temps. Vous avez absolument rien gagné, mais rien du tout. Franchement, ça c'est super chiant. Donc, je sais pas vous, puisque apparemment, vers là où je suis plutôt, la connexion est pas très bien en ce moment. Bon, peut-être que c'est que pour moi, mais je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la connexion, même des mecs de ma team qui habitent pas forcément à côté de moi et qui se plaignent aussi de cette connexion plutôt mauvaise, je dirais. Donc, je voudrais vous demander, vous, si vous avez déjà une bonne connexion, enfin ce que vous appelez une bonne connexion, hein, parce que moi perso j'ai 3 barres, quand j'ai 3 barres je trouve que c'est une bonne connexion, hein, parce que 4 barres, là c'est bon, je suis en train de jouir, hein. Non, mais sérieusement, non mais voilà, quand j'ai 3 barres, des fois on a 3 barres, on est là, bim bim, on les enchaîne, on lag pas trop, voilà, tranquille, mais des fois on a 3 barres, mais on lag, mais comme un truc de ouf, hein. On est là, bim, on se bouffe les portes et tout. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Bon, bref, donc vous, dites-moi si vous avez une bonne connexion. Si vous avez une bonne connexion, dites-moi, parce que c'est fibre optique, il y en a, voilà. Fibre optique, c'est sûr que normalement, vous n'avez pas de mauvaise connexion, sinon c'est que vous êtes fait arnaquer. Ouais, je vous le dis. Et sinon, je voudrais savoir, parce que là, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait 2 parties, 2 fois changement d'hôte, machin, ça m'a annulé mes défis et tout, ça m'a gavé, mais total. Donc, je suis retourné sur mon Infar 3 un peu, parce que là, apparemment, le niveau est moins fort. Et c'est vrai, l'une des premières parties, j'étais vers 15-20 kills. Donc voilà, je suis retourné un peu celui-là, prendre un peu de plaisir, même s'il y a beaucoup de noobs.
Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir des noobs que d'avoir des déconnexions de là tout le temps qui font quitter les parties. Enfin bref, donc dites-moi sur quel Call of Duty vous trouvez qu'il y a la moins bonne connexion et qu'il y a la pire. Bon, perso, la pire pour moi, je trouve que c'est sur Black Ops 2. Hein. Bon, peut-être parce qu'il est récent, d'ailleurs, c'est sûrement ça. Et qu'après, ils vont faire des mises à jour. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour, je sais pas trop à quoi elle sert, hein. On verra bien. Et par contre, le mieux, franchement, il n'y a pas vraiment. Je pense que tous les autres, à part Black Ops 2, ils ont une pas trop mal connexion. Peut-être pas Code 4, parce que comme il y a un changement d'hôte, ça fait quitter direct. Enfin, il n'y a pas de changement d'hôte, du coup. Dès que l'autre s'en va, bim, terminé. Voilà. Sinon, après, c'est vrai que Modern Warfare 2, comme il est plein d'hackers, il y a des problèmes d'hôte ou quoi. Et World of Warcraft, je connais pas, donc je dirais Modern Warfare 3, qui a pas trop de problèmes d'hôte. Et quand il y en a, en général, ça se remet. Donc c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à partager hein, dans les commentaires vos réactions sur la connexion et tout. Donc voilà, c'était mon petit débat. Et comme la vidéo est assez longue, je voudrais vous demander à vous aussi, ça c'est le plus important à dire dans les commentaires. Surtout si je passe sur une chaîne communautaire, mais ça je y reviendrai après. C'est donnez-moi un débat. Parce qu'en ce moment, un sujet, hein, comme vous voulez. Il y a plein de gens qui font des débats, des sujets et tout pendant qu'ils commentent. D'ailleurs, c'est ce qui est le mieux parce que sinon on s'ennuie si on commente le gameplay. D'ailleurs, là, au passage, je me permets de commenter le gameplay. Je me suis fait niquer par un campeur. Voilà, dédicace à lui. Je disais quoi? Ouais, voilà. Donc, les débats et les sujets, j'ai vraiment pas d'idée. C'est pour ça que cette vidéo arrive un peu plus tard que normalement. Et j'ai vraiment pas du tout d'idée. Donc, si vous avez une idée de sujet et tout, j'ai demandé à des chaînes communautaires qui demandaient quel sujet elles aimeraient bien que je voie, enfin que je le dise pour que avoir le maximum de chances d'être upload et tout. Bon, il y a une chaîne communautaire qui m'a dit le mariage gay. Alors, le mariage gay, j'ai pas trop envie de parler de ça dans une vidéo de Call of, même si c'est bien, mais vite fait, moi je. Ça me dérange pas, hein. Moi je m'en fous, mais. Mais bon, voilà, c'est pas trop mon style de commentary, on va dire. Bon, je suis sûr que dans les commentaires il va y avoir ah ouais, mais toi t'es gay, ça devrait t'intéresser. Parce que je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, mais. Au lycée, les gens. Enfin, pas tous, mais il y en a pas mal qui me traitent de gay, tout simplement, parce que. Oh, mais c'est n'importe quoi ce commentary. Parce que quand j'étais au collège. Je jouais à faire le gay, je sais pas du tout pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est pas mon type de débat. Donc, un débat plutôt par rapport à Call of. Pas obligé, mais c'est préférable. Sinon, si c'est pas par rapport à Call of, un débat quand même que la plupart des gens soient concernés. Enfin, qu'il soit intéressant, quoi. Qu'il soit pas chiant. Je dis pas que le mariage gay est chiant, mais c'est juste que c'est pas. Je me vois pas parler de ça. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires tout ça, donc par rapport à la connexion et par rapport à un débat. Et aussi, je voulais parler d'un autre point, c'est les chaînes communautaires. Alors, les chaînes communautaires, il y en a beaucoup qui me reprochent de mettre 10 000 intros au début. Mais voyez, si vous regardez bien, les intros, elles sont par 3 ou par 4, donc ça va vite. Au pire, vous passez, il y a un truc exprès, passez 20 secondes de la vidéo, hop, c'est bon, vous les voyez plus, vous en parlez plus. Je sais pas pourquoi ça vous gêne, vous abonnés, que je mette pas mal d'intros, c'est vrai. Parce que quand vous êtes youtubeur et que vous galérez un peu à percer sur YouTube, c'est vachement bien qu'il y ait des chaînes communautaires pour vous. D'ailleurs, je les remercie au passage. Petit coup de lèche-cul. Non, je rigole. C'est vachement bien qu'il y ait des chaînes communautaires. Parce que ça peut nous faire décoller d'un seul coup. Bon, après, c'est vrai que je suis passé sur The Community Code il y a pas longtemps. Gagner 15-20 abonnés, je n'appelle pas ça décoller, mais franchement, c'est aussi peut-être parce que le gameplay était pas énorme ou quoi, mais ni mon commentaire d'ailleurs, mais voilà, je vois pas ce qui vous dérange que je mette des intros de chaîne communautaire alors que vous passez la vidéo et moi ça peut me rapporter quelques abonnés si je passe sur une chaîne communautaire, donc je sais pas ce qui vous dérange dans le fait que je mette autant d'intros. Je ne sais pas. Voilà, là je vais revenir un peu au gameplay. Donc j'avais oublié de préciser que j'étais avec Demoniac Sniper. Donc c'est un membre de ma team. Donc voilà, il joue avec moi, tranquille. Voilà.
Et voilà, donc là vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, là dans ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière plutôt, ou avant-avant-dernière, je sais plus, beaucoup me disaient également que je campais et tout. Là vous voyez bien, je vous prouve une deuxième fois parce que j'avais fait un autre gameplay. Je campe pas, je rage dans le spawn ennemi. Alors là, il y en a qui vont me dire, ah oh ouais, mais tu spawn kill quand même, oh t'abuses. Ah bah les gars, désolé, je vais pas attendre qu'il sorte, dire vas-y, passe, passe. Et dès qu'il est passé, bim, je le suis. Non, non. C'est bon, la démo c'est ça, soit tu spawn kill, soit tu te fais spawn killer, hein, la loi du plus fort, mon pote. Donc voilà. Donc au passage, 4 assistants, super. Et donc voilà, cette partie se déroule plutôt pas mal. Manche 2, on a perdu la première manche, ouais, parce qu'on essayait de faire en sorte qu'on gagne une manche, qu'on perde une autre. Bon, bah là, on a commencé par perdre et puis après gagner. Parce que là, on va la gagner, si je me rappelle bien. Et voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Ah oui, si, j'avais un truc. Je sais pas si ça vous intéresserait. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit message aux chaînes communautaires, s'il y en a qui me plaudent ou quoi. Si je mets des musiques sur mes vidéos, est-ce que ça pourrait intéresser des gens? Donc déjà, je m'adresse à mes abonnés. Donc si je mets une musique au lieu de commenter, parce que bon, si j'ai un débat, je commenterai, mais si j'ai pas de débat, je voudrais quand même vous proposer une vidéo, parce que si j'attends d'avoir un débat aussi, je pourrais attendre je sais pas combien de temps. Donc si vous, mes abonnés, si je suis en cours de, je suis en rap de En cours, mais qu'est-ce que je dis? Si je suis en rap de gameplay ou quoi, de gameplay, de débat, de sujet, enfin que j'ai rien à dire quoi. Si ça vous intéresserait que je mette une musique, parce que j'ai trouvé il y a pas longtemps le moyen de faire, bah, de mettre des musiques sans avoir les droits d'auteur. Donc je vous dirai un peu plus tard comment on fait pour ceux que ça intéresse. Donc ouais, dites-moi aussi, je sais que ça fait beaucoup de choses à marquer dans les commentaires, mais s'il vous plaît, tu sais, au fur et à mesure de la vidéo, vous marquez dans les commentaires et dès qu'elle est finie, bim, vous envoyez. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je reçois un message sur mes vidéos, je reçois que le commentaire le plus récent. Si vous avez mis deux commentaires, bon, après, si je vais sur la vidéo, je les vois tous. Mais dans ma boîte de réception, si je vois ma chien a mis un commentaire sur telle vidéo, je reçois le commentaire le plus récent. Donc en fait, ça supprime les plus vieux et ça met les plus récents. Donc voilà, si ça vous dérange, les abonnés. Ou si de temps en temps ça vous dérangerait pas trop. Donc dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. Si j'oublie pas à la fin, je vous redirai tout ce qu'il y a à dire. Parce que franchement, c'est vraiment important pour moi que vous me disiez dans les commentaires ces petits trucs parce que ça m'aide à avancer. Et puis voilà. Je voudrais en revenir maintenant aux chaînes communautaires. Est-ce que vous croyez qu'elles acceptent si on met des musiques? Franchement, je crois pas. Il y en a des chaînes communautaires spéciales pour ça, mais. Je m'adresse à vous là, si on met un bon gameplay avec une musique qu'on commente pas, je pense que vous accepterez pas. Mais bon, je vous pose quand même la question, on sait jamais. Si je suis upload sur une chaîne communautaire d'ailleurs, et ben si vous pouvez me répondre, ça serait cool. Et puis même les abonnés des chaînes communautaires, ça serait cool. Donc en parlant des abonnés des chaînes communautaires, petite transition tranquille. Donc je vais me présenter vite fait. Bon, au cas où je suis upload, pour qu'ils aillent visiter ma chaîne, ça serait vraiment sympa. Donc je m'appelle Robin, j'ai 15 ans, je fais des vidéos principalement sur Call of, j'ai ouvert une petite série sur Minecraft, plus pour le délire que pour le fun, parce que je suis vraiment, mais vraiment nul, voilà, je préfère le préciser. Donc voilà, je vais présenter ma chaîne rapidement, au passage, petite quad feedback, voilà, bah, tant pis. Et voilà, donc maintenant je vais reparler pour ceux qui cherchaient des musiques sans droit d'auteur. Je vous avais dit que je vous dirais. En fait, j'ai cherché pendant longtemps parce que j'avais des problèmes avec des droits d'auteur et tout. Mais en fait, je croyais qu'il fallait chercher sur des sites genre Dilando et tout. Enfin, je suis allé un peu partout. Et bon, je vous cache pas que pour un montage de code, chercher une musique sur Dilando, c'est un peu chaud quand même. Ah bon. Donc en fait, le moyen, c'est qu'il y a des chaînes exprès qui uploadent des musiques. Donc peut-être qu'il y en a plein qui le savent, hein. Moi perso je savais pas, donc je le dis pour ceux qui savent pas, qui uploadent des musiques exprès sans droit d'auteur. Ces chaînes-là, je cite sans faire de pub, c'est musique for montage. Donc le for c'est un 4, donc musique 4 montage en fait. Et sur cette chaîne-là, vous êtes dans la subbox, il y a plein d'autres chaînes qui font la même chose. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo.
Je termine sur un score de 78-29. 0 passe, 0 désamorçage, désolé. Mais l'important c'est qu'on ait gagné la partie. Et mon rôle en général c'est Slayer, c'est-à-dire celui qui fait les kills pour empêcher les ennemis d'aller jouer l'objectif. Et bon, les autres sont occupés de poser. Donc désolé si je joue pas trop objectif, mais c'est pas trop dans ma nature. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Allez, bye bye.